Les températures du 1er au 2 janvier, 13 à Paris, 18 à Pau, on dirait plutôt des températures de juin. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette douceur et surtout comment l'analysez-vous ? Il faut s'inquiéter de la question. Évidemment qu'il faut s'inquiéter de cette douceur. Les gens se disent « Ah, c'est plutôt sympa ». Par contre, il y a d'autres êtres vivants qui l'apprécient moins, en particulier une partie de la végétation. Nous vivons dans un pays tempéré dans lequel une bonne partie des arbres perdent leurs feuilles l'hiver. Et ces arbres-là, ils ont besoin de froid l'hiver pour bien se porter au printemps, et c'est ce qu'on appelle la vernalisation. Un climat trop doux va favoriser la survie des ravageurs. Les champignons, les virus, les insectes vont rendre la vie un peu plus difficile aux végétaux. C'est un climat qui ne va pas être bon pour tout le monde. Et puis, j'ai envie de dire, c'est presque anecdotique parce que c'est un luxe, mais ça complique un tout petit peu la vie aux gens qui vivent des sports d'hiver à la montagne, comme vous avez pu le constater probablement récemment.